Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Il est chaud. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière qui, comme vous le voyez à sa tête, ne plaît pas du tout à Paul André. Aujourd'hui, en fait, on va faire une vidéo un peu spéciale où c'est Paul André qui va me choisir une tenue. Je vais lui donner un thème et il va devoir m'habiller en fonction de ce thème. Et du coup, vous pourrez noter sa tenue en commentaire. Je vais rien lui dire, juste il va devoir m'habiller du haut au bas, à la veste, au sac, aux chaussures, à tout. Ça te va, mon amour? J'ai pas eu trop de choix, donc... Il est dégoûté. Mais parce que c'est rigolo, on va voir ton style. Parce qu'en plus, il est daltonien. Quoi? C'est vrai? Il est dégoûté. Il a pas du tout envie de faire ça. Alors, premier thème. Tu vas devoir m'habiller comme si j'avais un entretien d'embauche pour une boîte de comptabilité. C'est où les pantalons? Les pantalons, t'en as. T'as des jeans, des pantalons ici et des leggings là. Boîte de comptabilité. Genre rendez-vous professionnel, mais genre pour un truc de compta, tu vois, un truc sérieux. Genre. On va mettre un jean, parce qu'un jean c'est hyper sérieux. À quoi que t'as des jupes? Parce que les comptables en jupes elles sont pas mal. On a changé d'avis. Des jupes il y en a là ouais, et des shorts aussi. Non mais je veux une jupe noire. Ok. Alors ça c'est quoi? Un jean, on était mal parti. Là c'est les... Alors tu mets un haut. On était mal parti. Un jean pour la comptabilité, excuse-moi. Une jupe c'est bien parti. Je sais pas. C'est bien parti, je veux un... Là t'as un haut, là t'as les pulls, et là t'as les robes aussi, parce que t'as des robes aussi hein. Un comptable c'est sérieux, ça va mettre ça. Ouais si. C'est trop grand ça. T'as pas une taille normale? C'est une oversize de Paul André. Non mais arrête avec ça, t'as pas une taille normale. Et après il faut mettre un... Un t-shirt peut-être. Un t-shirt. Une chemise. Et voilà ma petite. T'as envie de mettre ça? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est beau! Oh, qu'est-ce que tu dis? Je suis perplexe. Ouais. Ok. Mais ça, je crois que c'est. Mais en fait, si tu ne l'aimais pas, je peux pas savoir. Ok, mais tu pourras modifier après, voilà. Quand je les porte. Mais choisis un sac maintenant. Pas de collant, la jupe comme ça. Ok. Avec des jupes, on met souvent des collants, à part l'été. Mais alors, déjà, tu peux pas mettre de collant. Avec cette ah bon, cette chaussure, parce qu'elle est ouverte devant. Tu veux, on les change, on met des collants d'office. La chemise, je fais quoi? Je la rentre ou je mets la sors? Mets la veste, on verra après. Ça va pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais qu'un veste. Moi je voulais une veste petite qui cintrait. Tu voulais une veste comment? Une veste comme ça mais pas oversize, une taille normale. Ça va pas du tout là, je le vois que ça va pas du tout. Alors la chemise je fais quoi? Je la rentre, je la sors? Mais déjà ça, mais non mais il faut la rentrer, ça c'est trop court. Faut la rentrer? Mais je crois que... ouais. Ok. Bon, là ça fait comptable moi je pense. Ok, je la ferme jusqu'en haut. Moi je pense qu'une comptable, bon je sais pas, il faut des chaussures, allez. Allez, quelles chaussures maintenant? Les chaussures, je sais pas, moi je serais engagé déjà comme ça, sans chaussures. Ok, mais tu peux pas aller pieds nus à un rendez-vous comptable. Avec ça? Non. Vas-y, essaye ça pour voir. Uto. Moi, je trouve que ça fait bien. Okay. Avec celle-là. Mais je suis en pleine hésitation. Bon, vas-y, on met celle-là. Les vertes? Ouais. Pour aller à un rendez-vous comptable, moi, ce serait que... ça. Moi je pense que t'es propre et t'es belle et moi j'aime bien. Donc, je vais te dire ce que moi j'aurais fait. Si tu veux faire un entretien base... là, tu sais pas. Avec une base de ta tenue, hein, je reprends toujours ta tenue. Mmh. Alors déjà je trouve que ta tenue, j'étais pas très contente au début quand c'est t'as pas pris... mal non. Quand t'as pris le jean, j'ai dit aïe 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 qu'est-ce qu'il fait non. Un jean pour aller à un rendez-vous comptable, un entretien d'embauche, ça va pas du tout. Par contre la tenue ça va, franchement ça va. Ah. Sauf que moi j'aurais plus mis un sac noir. Ouais mais c'est tout noir, c'est chiant. Mais c'est un entretien d'embauche Paul André, je vais mais pas. Mais c'est pas un enterrement, t'as 25 ans. Mais pas du tout, c'est pas question d'enterrement, faut que ce soit sérieux. Bon le sac vert en soi c'était pas un problème. Mais les bottes, pas du tout. Non mais ça moi j'aime pas. Mais Paul André, j'aime pas les chaussures comme ça, je vais pas te faire mettre ça. Tu vas pas faire du cheval, tu vas au comptable. C'est pas des bottes de cheval. Je sais aller à un entretien d'embauche comme ça.
Et là, je suis très présentable. J'aurais même rajouté une petite ceinture pour rappeler le sac. La ceinture, j'ai pas pensé. J'avais oublié qu'il y avait des ceintures. Tu vois, voilà. Ouais, mais je préférais comme j'avais mis moi. Mais franchement, en amour, tu m'as. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc, ça, je te mets, allez, 7 sur 10 sur ta 7, tenue. 7, mais t'abuses. Et ça, c'est 10? Bah, c'est en partant de ta tenue, j'aurais peut-être fait autre chose. Mais 7 sur 10 sur ta tenue. Ok, un autre thème. Pour aller à un premier date. Genre, j'ai parlé avec un mec pendant un petit moment, je l'aime beaucoup et c'est la première fois que je le vois. Donc, à tout moment, ça peut partir en. Mais tu vas pas. Déjà, il n'y aura plus le premier date, donc on va pas faire. Allez, non, un premier date. La première fois que je t'ai vu, je me rappelle très bien comment tu t'es habillé. Tu t'es habillé comment? T'avais un short en jean déchiré. Ouais. Une espèce de débardeur un peu, je sais pas trop les termes, noir. Ok. Mm-hmm. Ah oui, dos nu. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et tu travaillais donc tu avais probablement des stades. Ouais. Les baskets. Ouais. On veut une robe déjà. Voilà. Je suis pas trop fan de cette robe. Je l'aime bien, mais je trouve qu'elle te met pas bien en valeur. Trouve une autre robe. Quoi, tu l'aimes bien toi? Vas-y, vas-y. Moi, je la trouve bien, mais je trouve qu'elle te met pas en valeur. Donc, il en faut une autre. Ça, c'est quoi ça? Quoi? J'ai le droit d'être perplexe. Bon, je pense que j'irai comme ça. Tiens, il faut prendre un sac. Ok, donc ce sac? Ouais, c'est bon. Étonnant, puisque c'est toi qui me l'as offert. Ben ouais, mais alors, je trouve que ça met un peu de tête. Parce que là, c'était tout en noir, là, au moins, il y a un peu de brillance. Mais là, je suis d'accord avec toi. Donc là, ça serait ça. Et en petite veste, tu me mettrais quoi? Ben, je voulais mettre une petite veste aussi, mais... Moi, ma première idée, c'est... Ta veste jaune. Elle est où ta veste jaune? Je la mettais ou je la mets sur mes épaules? Vas-y, enlève pour voir. Moi, ouais, c'est cool, je trouve. Tu valides? Ouais, moi, je serais content que tu arrives comme ça. Ben, moi aussi, je valide. Ah, finalement, je suis pas sûr. J'aurais mis exactement la même veste, la même robe, les mêmes sacs et les mêmes chaussures. Ou alors, comme peut-être, si j'y étais au peut-être qu'en chaussures, j'aurais mis celle-là pour faire ressortir le sac, tu vois. Ouais, mais bon, non. Là, je mets 10. T'es content? Non, je savais que j'ai trouvé. Tu vas me faire une tenue, journée ultra lookée entre copines influenceuses où on va faire plein de photos dans Paris, etc. Journée. C'est pas compliqué, il faut prendre les trucs au hasard. Donc, tu prends ça. Alors, pour être ultra looké, il faut savoir qu'il faut mettre n'importe quoi. Moi, je pense qu'au printemps, on met des fleurs. Déjà. Parce que si tu es dans un champ de coquelicots ou quoi, ou de marguerites, tu vois. À Paris, le champ de Mars, peut-être qu'il y a des petites marguerites des fois qui. Ok. Et mets une petite veste parce que c'est en avril. En plus, il y a un petit rappel. Tu remets? Regarde bien. C'est où les t-shirts? Regarde là, il y en a. Mais là, regarde dans ce tiroir les petits tops là. Un petit top. Je pense qu'un petit top en été, parce que c'est avril. On a notre petite veste pour se tenir au chaud, mais d'un autre côté, on a chaud quand même déjà. Vas-y, tu veux pas m'en trouver un? Mais pas l'ombre. T'as des tops. Ça, c'est dedans ou c'est derrière? Un petit truc simple, je pense, comme ça. On va voir. Tiens. Ça, et on va mettre des baskets. Pas d'accessoires, du coup, hein? Oui. Écoute, les accessoires sont en dernier, c'est la touche finale, ma spécialité. Faut que je la mette ou faut que je la... C'est très fleuri, la vie parisienne. Il manque de verdure là-bas. Ouais, c'est chaud. Ça va pas du tout.
En fait, c'est le haut qui me plaît pas. Parce que la veste, j'aime bien. Et ça, j'ai... le pantalon, j'aime bien aussi. Mais le haut, j'arrive pas trop à trouver un haut. Enfin, pas du tout. Moi, je t'aurais mis un 10 sur 10, mais j'aurais mis le sac rose quand même pour faire un peu plus de couleur. Ça rajoute une couleur pour assortir avec les chaussures en fait. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça vous a plu et que vous avez envie que Polo m'habille pour d'autres événements, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Tu referas, mon amour? Non. Si... En tout cas, merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez la petite cloche si jamais vous voulez être alerté pour la sortie des prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup. À dimanche.